Qu'est-ce qui s'est passé avec Tommy Mannix là? Tony. Tony Mannix, qu'est-ce qui s'est passé avec sa chaîne? Parce que ça a disparu. Enfin, j'ai appris que ça avait disparu. Oui. T'es. Ouais, alors je sais pas, tout le monde me pose la question, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Aux dernières nouvelles, on discutait sur Twitter. Apparemment, il était un petit peu embêté parce que la prod lui demandait de retirer certaines vidéos à cause d'utilisation de logos, des choses comme ça. Je pense pas qu'il ait retiré sa chaîne de lui-même, ça m'étonnerait, c'est un passionné, hein. Je comprendrais pas la raison. Je pense qu'il s'est fait dégager sa chaîne, vraiment. À mon avis, pour des histoires de droits d'auteur à deux balles, à mon avis, comme Felony en a été victime, etc. Je pense à mon avis qu'il a dû prendre des strikes et que voilà, il s'est fait dégager sa chaîne, à mon avis. Question, je ne sais pas du tout comment ça se fait que la chaîne de Tony Mannix ait été supprimée, hein, les amis, j'en sais rien du tout. J'espère que c'est pas pour une histoire de droit d'auteur, faudra aussi que je me renseigne là-dessus. Et je vais au front de Koh-Lanta une dernière fois en ayant une énorme pensée pour ceux qui ont disparu, mes collègues qui ont disparu, Picouti, Tony Mannix, les mecs, je pense très fort à vous. Tony Mannix n'a pas disparu seulement de YouTube, il a aussi disparu sur Twitter, là où il était très actif, ainsi que Discord. Et absolument tout le monde se pose la question, pourquoi a-t-il disparu? Apparemment, comme l'a dit Shogal, la production de Koh-Lanta, donc ALP, a demandé directement à Tony Mannix de retirer toutes ses vidéos sur Koh-Lanta sous peine de faire des petites manigances comme supprimer sa chaîne. Tony Mannix est vraiment un mec bien, j'étais tombé par hasard sur ses vidéos sur Twitter, j'étais un de ses premiers abonnés d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me dédicaçait de temps en temps sur ses vidéos, il me faisait de la pub, franchement. D'ailleurs, je le remercie encore aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté que sa chaîne a disparu comme ça, ainsi que ses comptes Twitter et Discord. Il m'avait ajouté sur Twitter et Discord comme ça, je pouvais parler avec lui, mais je lui ai jamais parlé d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc là, j'aurais pu le contacter pour lui demander pourquoi sa chaîne a sauté, mais non, ses autres comptes aussi ont disparu. Donc tout a sauté. Moi, la question que je me pose là maintenant, c'est que est-ce que c'est lui-même qui a retiré tous ses autres comptes par pétage de plomb par rapport à que YouTube a supprimé sa chaîne, ou alors c'est juste des raisons personnelles et on saura jamais pourquoi il a supprimé tous ses comptes, c'est-à-dire YouTube, Discord et Twitter. Voilà, donc c'est un peu une vidéo hommage entre guillemets à Tony Mannix. J'espère qu'il reviendra un jour. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. J'ai aucun contact avec lui maintenant, donc c'est vraiment dommage. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui en savent un peu sur la disparition de Tony Mannix, je vous invite à laisser un commentaire en disant ce que vous savez sur la disparition de Tony Mannix justement. Comme ça, on en saura un peu plus et on va peut-être percer un jour le mystère de sa disparition. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo à tous ceux qui connaissent Tony Mannix. Comme ça, ils sont un peu courants de l'histoire. Et Tony, si tu regardes cette vidéo, force à toi, frérot. Reviens, on t'attend. T'as des dizaines de milliers de personnes qui t'attendent. Sur ce, ciao, c'était Mam et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.